Je pense qu'il y a deux choses à garder d'Angleterre. Quelles sont-elles? Eh bien, Greggs et la bouffe vegan. Et aujourd'hui, on va concilier les deux. Je dis on parce qu'en fait, il y a Lou 2000 qui est là. Et aujourd'hui, du coup, on va bouffer. Oh Parce que ça, c'est. Je voulais oh dire. ça. On va bouffer! Et surtout, on va goûter le sausage roll vegan de chez Greggs. Chez Greggs? Bah écoute, écoute ouais, écoute ouais, bah Ouais. C'est parti! ah ça, allez, allez. Bah, t'y vas. Bon, bah. Bonne journée. À toute, hein! Je. Allô? C'est parti! Ouais. Mais on voit la rue. Tout va bien, on est en train d'en faire chauffer. Pas facile, hein? On l'a échappé d'elle. Moi j'ai envie de pleurer. J'ai des larmes en plein. Ah mais regarde. Des larmes. Ouh. Ah. C'est si bon. Genre, c'est pas comme les saucisses, tu sais, dans les petits déjeuners anglais où t'as les saucisses corn qui sont un peu genre saucisses dures et tout. Genre là c'est juste de la chair à saucisse. Ouais. Mais genre, c'est si bon. En vrai, j'ai un doute, genre, est-ce qu'elle s'est pas trompée? En mettant le plateau de trucs. Mais non, les sausages roux, c'est vachement plus sombre à l'intérieur. Non, je sais pas. C'est hallucinant, ça a la texture, ça a le goût. Bien content de m'en avoir un deuxième. Ouais, sa mère, comment c'est bon! Bah. Du coup, je vais manger ça tous les jours maintenant parce que. Bah, pas le choix, littéralement. C'est juste, c'est un très mal. Ah, ouais, ça coûte 1 livre. Du coup, attends. C'est grand comme ma tête un peu.
Moi aussi, mais j'ai déjà mangé la moitié. Non, ça c'est vrai. À peu près même. Ouais, nickel. Je suis saucée. C'est drôle parce que ça sent le bas saucisse. Attends, je vais faire de l'ASMR saucisse. Une très mauvaise idée. On sent le feuilletage artisanal, les couches de pâte feuilletée qui entourent cette fausse chair à saucisse qui égale presque, non sans la cruauté bien sûr animale, mais dans le goût et des épices fines qui tapent le palais comme ça de leur subtilité. C'est vraiment un régal. C'est vraiment excellent. Je peux cacher la tête avec moi. Mon sausage roll, genre. Tu es un sausage roll parlant. Waouh. Je pense que pour les gens qui savent pas ce que c'est Greggs, parce qu'on n'a pas trop expliqué, c'est une des chaînes de bouffe les plus répandues en Angleterre, où ils font des sausage rolls et des sandwichs et des soupes. Ils font surtout des trucs en pâte feuilletée. Ouais. Très répandu dans le nord de l'Angleterre. Très. Plutôt prolo. Bah oui, mais en fait, j'en parlais avec. Avec toi hier. Que. Genre, la différence. Je pense une des différences entre la France et l'Angleterre, et ce pourquoi ici on a tellement de trucs vegan, c'est que, en France, on a la culture de la cuisine, où c'est genre le truc de bourgeois, où il y a les recettes, et c'est que des produits. Genre la viande. Pardon, genre rote. La viande extrêmement chère et des produits luxe et cuite dans du vin et du beurre et tout. Et qu'on a beaucoup de mal à changer ça parce qu'on a toutes les traditions et la culture de la bouffe et on est très proche de ce qu'on mange. Alors que ici, du coup, la bouffe des bourgeois c'était la même bouffe qu'en France. Donc c'était toutes les recettes françaises et donc la bouffe vraiment anglaise par nature c'est que des trucs pas chers. Facile à faire, genre le breakfast en vrai c'est genre... À la base c'est la nourriture qui colle au corps pour travailler... Parce qu'il fait froid, ouais, faut travailler, et voilà, faut survivre, et c'est pas cher, et voilà. Et du coup toutes les spécialités anglaises, c'est que des trucs comme ça, et le sausage roll ça en fait partie, c'est que de la pâte feuilletée avec de la chair à saucisse. C'est pour ça que je pense que c'est si facile de trouver des versions véganes de tous ces trucs là, parce que les anglais ils s'en foutent un peu de la bouffe, ils sont pas du tout, faut pas toucher aux recettes, et le territoire et le terroir et tout, vraiment, ils sont très contents, ils adorent, ils sont très fiers, mais en vrai. Et même dans le plus basique des pubs ici, on va trouver une option vegan, c'est souvent genre du curry ou un truc comme ça, mais il y aura toujours un truc vegan. Mais ouais, surtout quand tu dis option vegan, t'as genre 4 ou 5 choix, et c'est tous des trucs bons, c'est pas juste on a acheté 4 haricots verts sur une assiette et on a mis 2 éléments et hop. Salade composée et frites. Alors qu'en France, même végétarien, genre t'as du mal à trouver. Genre, même à Paris, c'est l'enfer. Ou alors les trucs bons, c'est des magasins que vegan ou que végétarien et du coup c'est cher. Alors que ici, ouais, un sausage roll vegan c'est une. Donc un peu moins d'un euro. Pas sûr. Je suis pas au courant des taux de la banque. C'est un peu plus d'un euro, c'est dans l'autre sens. Et bah ouais. Oh, l'économie. Oh, ça. Écoute, le China, tu vois. Mais voilà. Mais au-delà de tous les histoires de prolo et tout, c'est juste vraiment très bon. Ah oui, bien sûr, oui. Parce que là, on parle, mais en vrai. J'aurais dû en manger 5. Moi, j'y retourne. Ah. On m'en fout. Tu m'en ramènes 10? Ouais. Oh ouais. Et ici les gens jugent beaucoup moins aussi genre. Si t'es végé ou vegan. Non mais ça. Ils s'en battent les couilles. Mais ça comme n'importe quel choix de vie, j'ai l'impression. Que ce soit ça, ouais, pas boire d'alcool, ou boire de l'alcool, ou des trucs comme ça, enfin de manière générale. Même juste la manière dont tu t'habilles ou tout les enlèves, genre. Ok. Ouais, ok, c'est bien. C'est ton problème. Oui, en fait, c'est ça. Je pense peut-être qu'ils en parlent derrière toi et ils sont là, genre, ah, machin, nanana. Elle est vegan, mais en soi, devant toi, ils vont jamais te dire, genre, ah ouais, mais qu'est-ce que tu manges du coup. Alors, moi, j'y crois pas, hein. La cruauté animale, voilà, c'est des conneries. Vraiment, personne va t'embêter. Juste tout le monde va être là. Ok. Et surtout, tu peux manger partout avec tes potes.
Tu peux avoir une vie sociale et être vegan, c'est incroyable. Regarde, cette semaine, il y a 3 jours d'affilée où j'ai mangé vegan, mais totalement accidentellement. Ouais. Juste parce qu'il y a des bonnes options partout. Moi, au taf, je suis dans un restaurant. J'ai fini mes deux séjours. Non, non. On va en rechercher, on va en rechercher à mon côté. Au restaurant, il y a, bon, certes, je mange souvent la même chose parce que bah, il y en a pas 12 des options véganes, mais en soi, bah, déjà, elles existent et c'est trop bon. Et genre, personne me juge alors que c'est un resto où il y a vraiment beaucoup de viande. Et quand j'ai dit bah non, moi je suis végane, du coup je vais manger ça, et personne m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu travailles ici? Puis les frères ramen. Oui, c'est un resto de ramen. Du coup, il y a de la soupe de porc partout. Dégueulasse. Bon voyage. C'est genre Ulysse. Ulysse mais dans ton corps. Sauf qu'en fait ça c'est genre le but. J'avais écouté un podcast de France Culture sur non. Ulysse, c'était trop bien. Et du coup, maintenant, j'imagine que c'était la même chose. Je l'ai pas dans ça, c'est drôle. Ouais, il m'en faut peu, hein. Mais voilà, bref, c'était très bon. Et c'était trop. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Et moi, j'aimerais bien qu'en France, on fasse la même chose, genre. Pas la même chose, parce que bon. Copier un peu. Voilà, pas très original. Super, l'emplagiat, génial. Mais tu vois, genre, c'est quoi les chaînes. Enfin, déjà en France, on n'a pas trop la culture de la chaîne, genre, on est vachement. Pas. Mais non. Paul. Mais non, mais genre, si on dit, ah, ça, c'est une chaîne, il y a plein de gens qui vont dire direct, genre, ah, ouais, c'est une chaîne, genre. Oui, mais c'est pas de la bonne. C'est l'image très McDo, Quick, un truc comme ça. Mais voilà, alors que ici vraiment, il y a que ça, enfin, genre. Ouais, mais regarde le Nando's qui est au bout de la rue. Enfin, les gens vont chez Nando's pour dîner en famille. Ouais, pour une occasion spéciale. Enfin, genre, c'est que ça. Et même, enfin, des très bons magasins qui font de la très bonne bouffe, ça va être des chaînes en fait, parce que c'est juste plusieurs restaurants quoi. Enfin, genre. Diner. The Diner, ouais. Tibit. Je t'ai pas emmené. T'as dit Bit. Ouais. Mais c'est incroyable. Et même genre les chaînes de pubs, ça existe. Genre. Il y a quasi que ça. Ouais. Bah, à Londres, je pense que c'est encore moyen. Enfin, il y en a beaucoup. Bah, regarde, mais... rien dans la rue là. Ah non, mais là, on là j'en vois 3 depuis la semaine. 3 pubs, alors. Mais voilà, bah, on a moins. Il y a moins de pression ici pour avoir de la bouffe, et du coup, en France, c'est. Et ouais, ça serait bien. Déjà, végétarien, s'il vous plaît. Moi, je me souviens. Ouais, déjà. Une fois, je suis allée, je devais faire un changement à la gare du Mans. Bon, c'est pas la meilleure gare, mais il y avait rien que je pouvais manger. Vraiment, j'ai fait le tour de tous les trucs. Il y avait genre ben, un truc à sandwich, un autre truc à sandwich, une brasserie, un truc. Et vraiment, j'ai demandé genre est-ce que vous avez des trucs végétariens? Ils ont fait non. Juste végétarien? Ouais. Pas un truc. Et c'était il y a 2-3 ans, hein. c'était pas il y a 10 ans. Parce que là, quand je suis rentrée pour les fêtes, on est allé dans un resto à un moment et vraiment, la seule option végétarienne c'était un truc où c'était grosso modo du pain, du fromage. Ouais. Et ben... une tomate pour faire bonne mesure. Ouais, c'est ça. Quand j'étais à la fac à Rennes, c'est là où j'ai commencé à être végétarienne et je mangeais encore du fromage. Et j'en mangeais, bah du coup j'en mangeais presque à tous les repas en fait, genre ouais, essentiellement des trucs à base de fromage, bah ouais. Et surtout parce que toutes les options, donc sur le campus de Rennes, surtout c'était que des trucs au fromage, genre les pizzas, les vrais sables, les pizzas coupées, là, c'était genre des pizzas rectangles et ça les pliait en deux, c'était trop bon. Bon, c'était grave, grave, gras, mais c'était que des trucs au fromage, ou alors même à des panini ou des espèces de trucs, enfin, des, voilà. À la fac de Lille, par contre, il y avait des de la pizza vegan. Ah, bah la fac de Lille, par contre. Non, mais déjà, c'était 2 ans plus tard, donc je pense, voilà. Mais surtout, il y avait des cornets frites du Crous. Et alors ça, mais c'était ma vie, hein. Oh, rien que pour ça, je regrette de pas être à la fac. C'était, je sais pas, 1€, et j'avais un gros cornet frites. En plus, ils me connaissaient, les gens du truc du Crous, là. Ils savaient que je venais que pour le cornet frites. Du coup, ils m'en mettaient plein. Voilà. Fac de Lille. Mais oui. Mais je pense que c'est parce que encore c'était milieu étudiant et du coup genre il commence à pousser un peu ces options là, mais genre ouais sinon c'est chaud. C'est pas facile hein. Et encore là on parle des grandes villes parce que je vous raconte pas ma petite ville de campagne de chez mes parents là. Bref, tout ça pour dire, bah, c'était bon. Ouais, c'était très bon. Sa mère c'était bon. C'était bon. J'ai vraiment envie d'en acheter là maintenant. Bon. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend? C'était très bon.
À plus.